Ok, il faut que je t'explique. Nico nous a proposé à moi et Gab de filmer Antoine Buffard, qui est beaucoup trop fort en bicyclette. Non, pas celle-ci, mais plutôt celle-là. Cette année, je voulais absolument filmer du VTT, et si possible, avec mon gros porteur, pour voir un peu ce que ça donne. Avec Gab, on a écrit un petit storyboard en 2 heures qu'on n'a pas suivi à la lettre, mais normal parce que l'on avait pas mal d'inconnus dans notre équation. Comme le spot de la maison, le grippin, le bike park et le pilote. À ce moment-là, on connaissait pas Antoine. On savait pas du tout que c'était un con. Non, je plaisante, le mec est trop sympa. Et on n'avait pas de doute sur ça. En plus, il nous a accueillis sous son toit et a partagé sa bonne humeur. Et c'est beaucoup trop important pour qu'un tournage se passe bien. C'est hilarant. On est en train de faire du snatch, you know. C'était sur quelle chaîne YouTube qu'on a vu ça? Midoc. Exceptionnel. Donc on s'inspirait de plein de transitions qu'on va faire justement dans cette petite vidéo. Hein? Ouais, très bien. Non, non, juste vert et rempli. Donc là, du coup, on a mis abricot, amande, tasse de café. Et en fait, tout est un peu circulaire, rond. C'est le but de faire une transition avec plein de choses circulaires. Et on va aussi faire les choses circulaires sur le vélo. Sur le vélo. Tout ce qui est roues, pignon, tout ça. Donc là, on a fait tous les plans ici à l'intérieur. Donc plan très rapide, forme circulaire. Et après, les plans où ça bricole un peu. Ça. Et, ouais. Ce qu'il nous reste à faire, c'est le plan chaussures. Ah oui, et casque. Après, casque, transition casque. Et c'est là où on passe du casque ici chez Antoine. Adore. Sur la piste. N'empêche, ce storyboard nous a vraiment servi pour garder en tête la structure de la vidéo et aussi les cadrages principaux. Par contre, il faut pas s'attendre à faire des plans bien précis quand tu ne prépares rien. C'est ce que l'on appelle un shoot run and gun. C'est filmer à la volée ce que tu trouves intéressant. D'où mon setup A7S3 avec le 24-70-2.8 qui est juste parfait. C'est hyper polyvalent, t'as l'autofocus. C'est incroyable. Bon alors Félix, qu'est-ce qu'on fait là? Avec caca dans les fougères. Sympa. Bon, là, on va... là ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des prises de vue au sol à cette S3. Incroyable. Enfin un truc de dingue. Parce qu'il y a un saut de ouf. Enfin pour moi, je trouve que c'est ouf. Et là maintenant, on va faire du drone. Donc voilà, SPV, 5 pouces et après, gros porteur. Donc le drone, c'est pour tester quoi? Donc là, ouais, on va faire une première ligne à vide, sans pilote, sans rien. Juste pour voir au niveau de la vitesse. Et là c'est tilt zéro, c'est un peu la spécialité du... Enfin la spécificité du quand tu filmes du vélo, c'est que vu que ça descend, ou du ski même, c'est que le tilt faut qu'il soit à zéro ou... Voilà, sinon t'arrives pas, sinon tu vas trop vite. On va pas voler en arrière, je te le dis. Hein. Le fait de ne pas pouvoir mettre le tilt à zéro sur cette frame m'a pas mal handicapé et complexifié le pilotage. Sinon la grande différence entre voler avec un 5 pouces et voler avec un gros porteur, ok, bah c'est que le 5 pouces est plus petit que le gros porteur, faut le prendre en compte, mais surtout que le gros porteur est quand même bien plus cher que le 5 pouces. Donc les crashs, on oublie. Enfin, faut être conscient qu'il peut y avoir un crash, mais vaut mieux clairement pas crasher ou sinon ta journée peut te revenir très cher. Pour ce qui est du rendu de l'image, pour moi, il n'y a pas photo. Surtout si j'utilise le Laowa 10mm, qui rend bien plus cinématographique et nous offre en plus quelques flares pas dégueu.
I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message, homie, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. Donc là, ce qu'on va faire, on va redescendre un petit peu, on va faire quoi de votre petit plan sur ce qu'on peut voir sur la piste? Un peu en dessous, ouais. Ouais, parce qu'Antoine, il est trop fort, ouais. Ça rend trop bien, trop content. La journée, on a filmé avec la GoPro sur l'arrière du quad pour filmer le vélo de face. La petite difficulté, c'est de garder une vitesse cohérente avec la piste. C'est là que Heidi rentre en jeu. Elle a eu la fonction de pilote traceur. Elle était tout simplement placée devant Antoine et moi j'étais tout simplement derrière elle. En fait, je devais garder toujours la même distance avec Heidi pour me caler sur sa vitesse, en prenant bien sûr une marge de sécurité si elle venait à freiner fort. Deuxième petit problème, c'est de connaître l'angle exact de la GoPro pour bien cadrer Antoine. On a dû s'y reprendre deux ou trois fois. Une fois on voyait pas sa tête, et une fois on voyait pas bien le sol. Bref, pas facile, mais les images rendent vraiment bien et c'est hyper dynamique. Pour préparer la deuxième journée de tournage, il ne faut pas oublier de charger toutes les lipos et batteries des caméras. C'est un peu relou, mais nécessaire, on n'a pas le choix. Ouais là c'était... Heureusement qu'hier j'ai bien volé, je me suis bien habitué à voler dans les arbres et tout. Parce que c'est, franchement, c'est les vols les plus durs je trouve. Suivre un vélo dans la forêt, il y a du haut, bas, ça descend. Il y a des arbres droite-gauche, on connaît pas forcément les lignes. Mais je pense, enfin, les images rendent vraiment bien. C'est très dynamique et tout. Et au niveau des réglages GoPro, j'ai mis fou, enfin auto. J'ai bloqué le. Enfin, j'ai pas bloqué le shutter justement, j'ai bloqué les ISO. Shutter auto, exposition moins 1. Et ouais, balance des blancs à 5000. Voilà. Tout en ose. Et toi, Gab, tu fais quoi, tu Moi, rien. Bon, on part sur une deuxième ligne de l'après-midi, donc ça va être cool. Un peu plus dégagé, je crois, non? Ouais, tu vas pouvoir bien voler devant aussi. Bon, bah on va pouvoir... Yes, on va pouvoir sortir les gros engins. Ouais. Antoine va faire 3 runs normalement pour s'échauffer, enfin s'entraîner pour ce soir. Coucher de soleil, ça sera vraiment des beauty shots normalement. Donc là, du coup, il va s'échauffer, ça fait un moment qu'il n'avait pas fait cette piste. Et nous, on va faire des plans au sol. Voici. Félix, au gros porteur. Mais oui, il faut. Hein. Il faut, fin de journée, c'est beau. Beau c'est matos. Pas, c'est pas la dernière lipo. Hein. C'est pas la dernière lipo, non. Fin de journée, pas dernier run. Beau matos. Pas dernier run. Beau matos, attention. Elle est belle. Oh, avec un TPU tout neuf. Ok, j'y vais. On voulait filmer en sunset, mais ce spot là, finalement, je pense qu'on va pas le faire. Ça va trop contraster avec tous les restes des plans qui sont pas en sunset. Et en même temps, bah, flemme de remonter parce qu'il n'y a plus de remontée mécanique. Donc ça veut dire qu'il aurait fallu remonter avec une moto, enfin, compliqué et attendre le coucher de soleil. Donc là, on va plutôt refaire d'autres plans dans la forêt. Il nous manque plein de petites choses. Et voilà. En storyboard, on avait prévu de faire un raccord casque. Il me fallait des plans d'Antoine qui mettait son casque et qui se préparait pour attaquer la descente. On a essayé différentes choses, plan serré, plan large, avec ou sans stable. Et
qu'une fois fait, on s'est dirigé vers la forêt pour la deuxième partie de la vidéo. Le Mavic Air 2S nous permet de faire des plans top shot que l'on peut pas faire avec du FPV. Ce qui est quand même bien pratique. Je vais garder ça et ça peut-être. Quoi. Ouais, je m'arrête dans celui-là. Donc en vrai, ici, là-bas, je t'arrête. C'était la fin de journée, le soleil commençait à tomber rapidement. On s'est donc dépêché de filmer 2-3 moves techniques sur la table. Pour les dernières minutes de shoot, on s'est enfoncé dans la forêt pour filmer les moments de pause aux deux tiers de la vidéo. J'avais envie de faire varier un peu le rythme, de couper la musique et de jouer un peu avec du sound design. Ou même je pensais peut-être mettre des paroles, mais finalement j'ai fait au plus simple. J'ai donc fait quelques plans à la main et au stab d'Antoine qui enlève son masque et regarde la forêt. On a ensuite fait 2-3 virages pour finir sur un gros dérapage et un tilt vers le haut de la caméra pour ensuite placer les logos et les crédits. J'espère que ce petit making-of t'a plu. C'est compliqué de filmer aussi de faire le making-of, c'est pour ça que je tiens à dire un gros merci à Gabriel et Nico. Et bien évidemment, merci à Antoine de nous avoir étalé son talent. Allez, ciao, à la prochaine.